Eh bien, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, 4K 60 FPS, on retrouve notre ami Peter Parker, évidemment, pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man 2. Et on est dans le passé, voilà, à la recherche de notre casier. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça aide énormément, et ça fait aussi extrêmement plaisir. Ça, c'est des choses qui motivent, et surtout qui vous demandent que quelques secondes. Merci d'avance, allez, let's go! Comment il va le Harry, là? Le Harry du passé, il a l'air de bien aller! Là-dessous, dépêche-toi! Il faut qu'on le renvoie dans l'ascenseur. J'en ai marre, j'ai déjà ratissé cet étage 3 fois. Je suis en train de perdre mon temps, là. Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Disparu. Clairement, j'ai eu du bol. Oh, ouais. Vas-y, prends la clé et on s'arrache. Eh ben, on est parti. C'était celui-là. C'est quoi ce truc? Non mais sérieux, comment t'as... Vas-y, prends-le. Oh, la poisse. Qui est là? Ah, oh, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise? Non. Cours! Oh. Hey! T'abuses? On va se faire arrêter! Faudra d'abord qu'il nous attrape. Oh. C'est pas ce genre de nostalgie que je préfère! Toujours la clé? Ouais. Il n'y a plus qu'à passer ces portes. Et le tour est joué. Ouvrez, c'est la police. J'ai appelé les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Mais... retiens-les encore un peu. J'ai une idée. Bah attends, je fais quoi, moi? Tu te fais pas choper? Ah ouais, j'oublie tout le temps. Sérieux? Bonsoir. C'est vous qui avez appelé? Oui, ils sont quelque part par là. D'accord. Vous fouillez la salle. Nous, on prend sa déposition. Bon, maintenant, isoler le garde pour récupérer ma clé USB. Je suis sûr qu'il se planque dans le coin. Les hommes cherchent. Et on a besoin de votre déposition. Vous avez vu quoi? Ok. Eh ben, brique la bourrique. Enfin, je veux dire. Le gardien de l'école, il a entendu des trucs. Mais vous savez, il se fait souvent des films dans ce genre-là. Des films? On peut savoir ce que vous entendez par là? Eh ben, il tire. C'était quoi, ça? Venez voir! Vous avez vu quoi, précisément? Eh ben... vous les avez vraiment vus? Pas vraiment, non, mais je les ai entendus, hein. Comment vous savez qu'ils sont plusieurs? Mais vous devriez pas être en train de les... Wow! On prend une photo. Ça dure plus longtemps. Très bien. J'ai plus qu'une seule personne à éloigner. Bien. Il est tout seul. C'est le moment de tenter la figure du pickpocket à l'envers. J'ai vu ça dans un film. Ok. Ces gamins et leur canular. Super. Je vais me retrouver juste au-dessus de lui. Jerry doit être en train de m'attendre. Elle a sûrement fait. Je l'ai. C'est quoi ça? Comment je me sors de là, maintenant? I just wanna tell you how I'm feeling. Sale gosse, il est dans le bureau. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you know. Ok, c'est tout pour moi. Ah, il les a recrawl, évidemment. C'est bon? C'est pas la police. C'est mon père. Papa, je t'ai dit que je t'appellerais en rentrant.
C'est ta mère. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Peter, tu nous excuses une minute. Ça. Avec notre présentation, on aurait gagné à tous les coups. Il s'est passé un tas de choses en 10 ans. C'est un miracle qu'on soit là tous les deux. J'ai eu une seconde chance, et je compte bien en profiter. Mais je veux que tu sois à mes côtés. Wow, ça fait... beaucoup d'émotions d'un coup. Tu devrais passer au labo demain, pour te faire une idée. T'as déjà un labo ? Je te ferai voir quelques-uns de mes projets, et on en discutera plus longuement. Ça marche ? Ça marche. Pete, on va guérir le monde. Hey Miles, t'es occupé ? Qu'est-ce que tu veux, je suis partant. Soin d'aide pour une mission de babysitting, Aura. Ça a l'air cool. Tu m'expliques en route ? Me regarde pas comme ça, pas. Accorde une pause. Hola, mijo. Ça se passe bien, ton essai ? Ça se passe. Mais je vais faire un tour. Pete a besoin d'un coup de main. On va juste... Je préfère ne pas savoir les détails. Eh, hey, ça va aller, ma. Espera un momento. Tu sais, il y a eu pas mal de nuits récemment où tu t'es retrouvé à travailler tard et où moi aussi je travaillais tard. Eh ben, en fait, j'étais pas au travail. Mais regarde pas comme ça, je suis pas recherchée par la police. C'est juste que... j'étais à des rendez-vous. Galants, en réalité. Ah, d'accord. Et il y a cet homme que j'ai déjà vu plusieurs fois, et... et ça se passe plutôt bien. Où tu veux en venir, moi ? J'aimerais bien l'inviter. Je ferai du patelón. Je suis sûr que je peux me trouver des speeder trucs à faire. Histoire de vous laisser tranquille. Non, je voudrais que tu le rencontres. Et qu'il te rencontre lui aussi.
Mais si ça te met mal à l'aise, je comprendrai parfaitement. Non. Tu sais, tu m'as eu à Pathelon. À plus. Ok, bien sûr. Il faut que j'aille au raft. Allez! Et ben cette fois-ci, on va jouer avec Miles Morales, tout simplement. On va vider la racaille, évidemment, les quartiers de la racaille, comme on dit. Le couloir devant pourrait me propulser. Ok. Utilisez la delta toile à l'intérieur des couloirs devant pour vous déplacer. Ah oui! Un autre, là! Ah oui! Pas trop de cheater! Je commence à choper le truc! Pas trop de cheater! Ouais, mais c'est abusé ça pour se déplacer! Ok. Ça sert plus à rien de se balancer, les gars! Je vais prendre de la hauteur! J'adore quand il y a du vent! Miles, je suis en train d'arriver au raft. T'es en route? Super! C'est pour qui le babysitting? MJ a appris que Scorpion va être transféré à Ravencroft. Le centre est à court de ressources pour l'encadrer. Les clans de sable partagent sa cellule. Il faut jamais sous-estimer Scorpion! Je serai là! Stop! C'est encore un cristal de mémoire de Morquet. Okay. Je devrais m'en occuper. Je vais récupérer ce cristal. Ok, let's go. C'est pas du tout mon anniversaire! Pourquoi une fête surprise? Ok. Super, bon, là on gère plutôt pas trop mal. Je crois. J'essaie de vous aider, moi! Ok! Ça c'est stylé! Et ben voilà! Allez, qu'est-ce qu'on tout a là? Pour un aussi petit cristal! J'ai dit à la police que quelqu'un nous voulait du mal, mais ils veulent pas m'écouter. Personne m'écoute jamais. Alors il est temps pour moi de m'en occuper moi-même. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu Marco. J'aurais pu l'aider si j'avais su qu'il avait des problèmes. Allô, je viens de discuter avec ma source du RAF. Marco a un comportement brutal et incohérent depuis son arrivée, mais il paraît que son état montre des signes encourageants. Je sais pas ce que tu fais avec tes cristaux, mais surtout t'arrête pas. Ok. On va nettoyer un petit peu. Allez, un petit creams. On l'a pas fait pour commencer. Il faut oser pour s'en prendre à un camion blindé. Quelqu'un a vu des voleurs qui cherchaient à se prendre une raclée? Oh la vache! Il m'a mis un coup de barre de fer. Ça a résonné. Allez, réceptionne mon pote. Allez, c'est finito. Je suis chaud bouillant. C'est bien ce que je pensais. Vous saviez qu'il n'y avait pas le gros symbole dollar sur les sacs de transport de banque? Moi perso, ça m'a déçu. Ok, ok, ok. Ah oui, c'est vrai que c'est carré pour faire des figures aériennes. Allez, on se parti. Ok, pour l'instant, on n'a pas grand-chose ici pour récupérer de la hauteur. Donc, c'est une prison qui, je le rappelle, est en plein milieu. Je sais pas comment on peut appeler ça, de la berge. Salut. Content que t'aies pu venir. J'arrive à temps, on dirait. T'arrêtes pas, Gargan.
paré pour le deuxième. Le deuxième? Je croyais qu'on surveillait que Scorpion aujourd'hui. Ah! Martin Lee. Miles. C'est bon. Ça va aller. C'est pas la saison des feux d'artifice? Il faut aller voir. Du rouge? Du jaune? C'est la même chose. Surveillez bien les prisonniers! Je crois que c'est le passage qu'on a vu à l'E3, les amis. Prends la gauche! Incroyable! Protégez le bateau! Sur ma position! La première fois qu'on croise Draven. Je savais que j'aurais dû faire des étirements. Ta tête prend un superbe trophée. Ok, il n'est pas possible d'esquiver les attaques lourdes. Parer lorsque l'icône d'alerte passe du jaune au rouge. Pour parer, me semble-t-il que c'est... Oh, c'est là, ok. Vous venez de loin, on dirait. Moi, c'est Spider-Man. Au cas où vous seriez pas au courant, ces clips sont ultra dangereux. On a vraiment intérêt à les garder en prison. Ok, tu vas rien avant la gueule. D'accord, on annule le cocktail de bienvenue alors. Aïe! Spider-Man, c'est quoi cette espèce de brute? J'espérais que vous le sauriez! On recouvre! Empêchez-les de monter là-bas! Ça marche! Allez! Ça, ça dégage. Submergez les gars, détruisez les portes. Descendez-le. Il cherche à entrer dans le bateau. Il fait l'escorpion, Ellie. On doit les arrêter. Qu'est-ce que vous leur voulez à ces types? Vous avez déjà l'air assez nombreux dans votre club. Ce sera un moment glorieux. Rappelle pas de ce genre d'annonce. Cible en vue. Oh, ça je me souviens. C'était déjà dans Spider-Man, premier du nom. Ok. Cible verrouillée. Hop, il vient d'annihiler son pote, hein, littéralement. Lâchez rien. Pourquoi qu'il s'approche des prisonniers? Ah, je donne le max à mon frère. Hein. Vous êtes quoi? Des mini-vultures? Du auditeur, excuse-moi mon frère. C'est un vrai scorpion, Ellie, qu'ils en ont. On peut pas les laisser entrer dans ce navire. Changement de position. Ah.
T'as vu ces types? Ils ont des thunes et de la technologie. Oh, Mines! Ouais, ils sont pas là pour rigoler. Ils ont l'air ultra motivés pour récupérer. Scorpion, Mouli, tous les deux. Jamais ces gars s'échappent-là. Reste concentré, Spider-Man! Ta présence est inattendue, mais sans conséquence. Non, mais pour de vrai, vous êtes libres. Je vous ai. Y'a au moins un truc de clair. Ils savent ce qu'ils veulent. Ok. Bon, on va y arriver les amis. On s'en occupe. Niveau concentration, ça commence à se remplir vite. Tu vois toutes ces vitres là? Avec toutes les têtes qui sortent. Mais voilà, l'ennemi est dans les corps. Ok. Chaud. Ah, ici, quoi. Ah, c'est bon, je peux nager. Cette armée de fous qu'il a, le man. On doit libérer le bâton. Arrache ces trucs! J'aurais besoin de quelques conseils du roi Arthur! Je m'en occupe! Il y a du monde à l'intérieur! Je vais aller les chercher! On est parti, on va jouer au héros. J'essaie de sortir. J'en profite pour vérifier s'il reste pas de civils. C'est pas beau à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les garçons à l'abri? Allô? Pas de signal. Vaut mieux pas traîner. Ok. Oh. Wow. Ça se gâte sérieusement. On a eu chaud. Le jeu est tellement magnifique, les gars. Vraiment, c'est un délire de fou. Scorpion est dans la nature? Je dois prévenir Spider-Man. Je vous sors de là! Restez calme! Je vais trouver une solution! Accès électrique. Ça m'a l'air cool. J'espère que Peter trouve les scorpions. Les trucs. Ces gens n'ont pas conscience du danger qui vont libérer. Je me souviens... Je vous le jure. Allez, je système de secours. Me souviens... Ok... Les câbles conduisent au système de secours. Qui tourne sa tête là actuellement devant l'écran comme moi? Le niveau de l'eau monte. Faut absolument que je trouve une autre sortie. Il y a un fort courant électrique par ici. Même moi, je peux le sentir. Faut pas que ce garde soit touché. Il va se faire carboniser avec tout ce courant électrique. Je vais vous demander de vous éloigner de l'eau, d'accord? Il faut que je draine l'énergie en trois. Ah! Merci.
Merci mille fois, petit! Je vous ai sauvé! Vraiment? C'est pas possible. Non. Papa! Oh, c'est pas réel. On a Scorpion en visuel. Belle aventure, Miles. C'est si paisible sans Miles. Tu as manqué de temps, micro. Moi ? Aïe. Allez, let's go. Qu'est-ce qui se passe? Ma puissance bioélectrique, j'ai du mal à la contrôler. Spider-Man, ils emmènent les Scorpion aussi. Je suis à leur cause. Miles, je pense que tu peux t'occuper de lui. Je peux revenir tout de suite. Non, je peux gérer. Vas-y, c'est sûr. Je peux pas le laisser s'approcher de ma famille. Ok. Pas après ce qu'il a fait à mon père. Je me dois de les protéger. Ils ont besoin de moi. Il arrivera. Garde ta famille. Rien. Tu vas assurer. Je reviens très vite. Je maîtrise. Ouais, vite fait, hein. Ok, ils sont déjà prêts, ils m'attendent. Waouh, ça c'est fort. Ok.
débile. Comment est-ce Morales, il est tellement strong. Si jeune et si fort. Visuel sur la cire. Oh, j'ai pris une vieille patate. Ok. Ok, là, ce qui se passe. Compliqué, mon gère de fou. Je crois qu'il en reste plus. Accrochez-vous à quelque chose. Voilà, on se mange patate, les gars. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non. Courez, je vais l'arrêter. Je suis là. Surtout, vous inquiétez pas. Ok. Lâchez-moi un peu. Faut que j'arrête cette hélice. Je peux pas entoiler l'hélice avec ces brutes qui me tapent dessus. Oh tiens. Combien de fois je vais devoir vous le répéter? Lee reste avec moi. Okay. Dis-moi arracher l'étoile. Ça, ça dégage. Ok.
Au moins, les premiers secouristes sont là. La police cherche encore, mais il n'y a aucune trace d'eux. Ça donne quoi en amont ? Y a que des décombres ! C'était qui, ces types ? Je sais pas, mais ils sont à la pointe de la technologie. Sans compter qu'en plus, ils ont Scorpion, Ellie. Hey, quel que soit leur projet, on les trouvera et on les arrêtera. Ouais. Pete, quand j'ai vu Lee sur ce bateau, mes pouvoirs, il... Tu crois que son énergie s'est mélangée à la tienne ? Franchement, je sais pas. Mais ça a l'air... instable. Je sais pas d'où vient ton bleu électrique, mais ça nous a sauvé la vie tout à l'heure. Hey. On remettra Lee dans sa cellule. C'est promis. Me mets pas un vent, s'il te plaît. Tu vois pas que je me prends la tête ? Interdit de bouder. Allez ! Change rien, Pete. Tiens le coup, Miles. Et les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. En attendant, on va quand même aller checker du niveau des capacités, voir un peu ce qu'on peut débloquer parce que ça a l'air... très sympa, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut que je sélectionne ça. C'est ça. Voilà, on est bon. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon, les amis. Je crois qu'on est bon. Et quoi qu'il arrive, c'était beaucoup. Rien ne m'échappe. Terminé. XP 2000. C'est insane. Les amis, la criminalité va attendre. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, hein, c'est très important. J'avais pris l'habitude. A bientôt tout le monde. Bye bye. Je t'ai envoyé une adresse. T'as dit de venir ? Salut, oncle Aaron ! Alors, t'as pas le temps de venir voir ton oncle ? Non, je voulais juste te laisser respirer après ta libération. C'est pas la peine. Et puis, on a des trucs à régler. Ah ouais ? À plus tard, petit gars. Va lui rendre visite, Miles. Ce sera fait. Après, on se concentre sur ceux qui ont enlevé Lee et Scorpion. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup qui se prépare.